إله إلا الله الله أكبر الله أكبر. À l'instar de l'Arabie Saoudite en particulier et du monde entier en général, la communauté musulmane d'Abou Mekalavi a célébré ce vendredi 21 avril 2023 la fête de Ramadan, communément appelée Eid el-Fitr. Le prêcheur muezzin de la mosquée de Faucon nous donne ici le bien fondé de cette célébration. L'important, c'est quoi? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, en nous montrant l'importance du jour de la fête de fin Ramadan, après avoir multiplié nos œuvres d'adoration en jeûnant, en priant la nuit, en lisant le Coran, Allah a recommandé au prophète sallallahu alayhi wa sallam de faire quoi? Le jour après les 29 ou 30 jours, le jour qui suit, d'aller célébrer sa grande joie, son grand remerciement à l'égard de son Seigneur. Et le prophète nous dit, même si quelqu'un est malade ce jour-là, faites-le déplacer vers le lieu de la prière, car le fait d'écouter le sermon de l'imam, c'est une grande bénédiction. Et lorsque vous empruntez une voie au retour, empruntez une autre voie. Et le jour du vendredi, Allah fait mention de cela dans le Coran, dans la sourate al-Jum'ah, en nous recommandant « Ya ayyuha allazina amanu, iza nudiya lis-salati min yawm al-Jum'ah, fas'au ila zikrillahi wa zarbiya. » Allah nous dit « Oh, vous qui avez cru, lorsque vous entendez l'appel à la prière du vendredi, alors laissez tout négoce et apourez vers l'appel à la prière, car cela est meilleur pour vous si seulement. » Après avoir répondu donc à cet appel prophétique, certains musulmans nous livrent leurs impressions. Le mois de Ramadan, c'est toute une école. On est parti à l'école, on a bien commencé à bien comporter. Il ne faudrait pas qu'après ce mois de Ramadan, on retombe dans nos mauvaises habitudes. Il faudrait qu'on garde toujours ces comportements que nous avons adoptés dans le mois de Ramadan pour que Dieu soit avec nous. Un conseil à dire à mes frères musulmans, c'est d'avoir crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et essayer à aimer tout le monde. Parce que notre défenseur, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il a aimé tout le monde. Et il a vécu avec tout le monde. Il n'a pas dit lui c'est musulman, il n'a pas dit lui ce n'est pas musulman. Il a resté à Médine avec tout le monde. Avec tout le monde à paix. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous donne la foi. Et pour qu'on puisse pour copier, même si c'est un peu, notre défenseur, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et puisque c'est un jour doublement béni pour toute la communauté musulmane, la prière de Jumu'ah s'avère indispensable. Ô musulmans, si la période du Ramadan est passée, le jeûne est toujours légal des autres mois. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a recommandé le jeûne le lundi et le jeudi. Et il a dit à travers ses paroles, je cite, « Les actes sont présentés à Allah, donc j'aime que mes œuvres soient présentées pendant que je jeûne. » Rapporté par Ahmed. Et notre messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a recommandé à Abu Huraira, que Dieu soit satisfait de lui, de jeûner 3 jours par mois. Et il lui a dit dans ses propos, sallallahu alayhi wa sallam, je cite, jeûner trois jours par mois, c'est jeûner pour toute l'éternité. Hadith finalement reconnu authentique. وأتبعوا صيام رمضان بصيام ست من شوال يقول النبي محمد صلى الله عليه وسلم من صام رمضان ثم أتبعه ست من شوال كان كصيام الدهر أنا هو محمد أولي كما يقابل أدمي إنه سوشابان Shawal. You know, you're there.
Thank you.
الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى وجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى الله أكبر الله أكبر سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد الله أكبر الله أكبر صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشية عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم
ثم إن علينا حسابهم. الله أكبر. Et puis, la fête continue dans les maisons. Mais n'oubliez surtout pas de vous abonner à Natistan TV.